soir chez vous, Christophe Alévèque, Elsa Fayer, Jean-Bernard Hébé, Philippe Gueluc, Annie Lemoine et Virginie de Clausade. Comment y va notre doyen ? Écoutez, je vais très très bien, je suis très très heureux d'être avec vous, comme d'habitude. Parfait. Vous avez vu un peu, dès qu'on prononce le nom du groupe Tokyo Hotel... Ben oui. C'est bien. C'est là qu'on prend, on prend un coup de vieux. On prend un coup de vieux parce qu'il faut quand même dire qu'aucun d'entre nous sept, il y a à peine 3 heures, on savait qui c'était. Hein. Mais attendez, moi l'autre jour, j'étais à l'aéroport, j'allais prendre l'avion et on me dit, tu vas à Tokyo, mais dans quel hôtel? Les gens se mettent à hurler autour de moi. Waouh! Je m'y attendais pas. Mais c'est fou, d'ailleurs, on va faire le test hein, plusieurs fois dans l'émission, dès qu'on prononcera le nom de Tokyo Hotel. Bon, attendez. Et si on prononce le nom de Laurent Ruquier ? Ouais ! Lui-même, enfoncé, il était au cœur. Bon, nous recevrons effectivement le groupe Tokyo Hotel. Ça va maintenant, dans un instant. Mais d'abord, la photo du jour, c'est celle de Ségolène Royal qui, hier à la Mutualité, pour son discours d'intronisation à la candidature socialiste, avait l'air vraiment alors dans une forme incroyable. Bon, ça s'est passé dimanche parce qu'on n'a pas fait ça samedi pour pas qu'on confonde avec le bal des débutantes hein, qui avait lieu la veille. Mais Dominique Strauss-Kahn, Laurent Fabius et Bertrand Delanoë, qui étaient présents, ont bien été obligés d'applaudir, comme tout le monde. Bon, on a bien vu qu'ils ne s'étaient pas fait des ampoules aux mains, hein, quand même. Hein. Ils étaient là quand même. Mais quand Laurent Fabius a embrassé chaleureusement Ségolène, là, c'était magnifique. En fait, il l'embrassait pas, il tentait de l'étouffer seulement. Dominique Strauss-Kahn, lui, aurait appelé Vladimir Poutine pour lui demander où on pouvait trouver du polonium. Vous avez regardé, Jean-Bernard ? Non, j'ai pas regardé, je l'ai entendu un petit peu, j'ai lu les journaux. C'est formidable, c'est un genre de couronnement de Jeanne d'Arc, c'est Blanche-Neige et les Sept Nains avec tous les membres du Parti Socialiste qui tournicotent autour en disant « Est-ce qu'on va avoir quelques petites miettes, s'il vous plaît, madame ?» Et elle qui est complètement sereine, royale et qui, dans des envolées lyriques extraordinaires, va entraîner le peuple de France jusqu'au bord de la falaise, sans doute. Oh là là! Non, mais c'est bien, je suis très content que ce soit elle. Et mais ce qui est intéressant quand même, c'est qu'il y a quelqu'un. Même lui, il chante! On dirait Fabius! Je suis très content que ce soit elle. Moi, je suis content. Je suis toujours pas d'ailleurs royaliste. Le fait que Sarkozy se retrouve devant une femme, ça, par contre, c'est très, très bien. Parce que lui, qui est déjà un peu nerveux, là, je pense qu'il va péter un boulon. Mais 61%, c'est quand même énorme, des militants socialistes qui, tout compte fait, ont voté contre le programme du Parti Socialiste. Si on réfléchit bien. Ce qui veut dire qu'elle n'est pas socialiste. À chaque fois, elle était contre le programme du Parti Socialiste. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Quel programme ils vont adopter? Ça va être assez rigolo. Elsa? Moi, je pense que Ségolène Royal, c'est comme le nouveau yaourt à la mode. C'est blanc et ça n'a pas de goût, mais tout le monde achète. Donc, c'est formidable. Ah. Allez, on passe à une photo de Nicolas Sarkozy qui devrait se déclarer candidat cette semaine, sûrement jeudi, parce qu'au départ, il voulait faire ça mercredi. Oui. Mais mercredi, c'est l'anniversaire de Jacques Chirac. Et faire ça ce jour-là, ça aurait été considéré comme de la provocation. Tandis que le lendemain, ça pourra l'achever définitivement. La difficulté, évidemment, pour le ministre de l'Intérieur, c'est de trouver une façon marquante d'annoncer une candidature qui n'est plus une surprise pour personne depuis longtemps. Alors, il a bien pensé à le faire comme ça, en tailleur noir et blanc, mais c'est un truc à se faire arrêter. Un mot, Jean-Bernard Hébé. Ce qui va être intéressant, c'est de voir si Nicolas Sarkozy va pouvoir tuer ses adversaires avant même qu'il ne se déclare. Je pense qu'il est suffisamment voyou pour y arriver. Nicole Alliomari, Chirac, Villepin, pas Nicole, tout ça. Michel, oui. Mais de toute façon, personne ne se souviendra ni de son prénom ni de son nom dans 2 ans, donc on s'en fout. Mais. À Versailles, il a dit « Je veux que vous redeveniez, devant les militants UMP, que vous redeveniez fiers de la France dans les 5 mois qui viennent. » Mais il est au gouvernement, et le gouvernement est à droite. Qu'est-ce qu'il a? Pourquoi? C'est bizarre, sa formule, non? N'empêche que ça fera un joli match au final, enfin je veux dire pour la vraie élection. Nicole Alliomari contre Marjolaine Royal.
Une autre photo, celle de Silvio Berlusconi, victime, peut-être vous l'avez vu, d'un malaise en direct à la télévision alors qu'il était à la tribune d'un meeting en Toscane. Il s'est évanoui à peine une minute et il s'est réveillé en déclarant « Vite, vite, faut passer la pub !» Une autre photo, celle de José Bové, qui renonce à être candidat. Il n'a pas supporté la publicité clandestine que les supporters du Paris Saint-Germain ont fait pour McDonald's en fin de semaine dernière. Il faut dire que pris en sandwich entre Marie-Georges Buffet et Olivier Besancenot, Bové s'est rendu compte que la présidentielle, c'est le contraire de la restauration rapide. C'est plus facile à consommer sur place que de l'emporter. Annie. Annie. Il ne suffit pas d'être anti-OGM, anti-nucléaire pour être candidat à la présidence de la République. Il faut sûrement un autre programme. On passe à Lady Diana, pour qui les princes Harry et William veulent organiser un concert hommage le 1er juillet l'année prochaine au stade de Wembley. Elton John, Sting, Phil Collins, George Michael sont d'ores et déjà annoncés. Aucune chanson de Queen ne sera tolérée. Et c'est le chanteur Miossec qui fera la première partie en hommage à Monsieur Paul. Oh. Annie. C'est une belle initiative parce que l'argent va aller aux associations dont elle s'occupait et qu'elle aurait eu ce jour-là, le 1er juillet, 46 ans. Un mot sur Brian Joubert, auteur de 3 quadruples sauts en compétition lors du même programme de patinage, sans compter en plus Philippe Candeloro et Nelson Montfort, ça fait quand même 2 triples sauts en plus. Et on termine par le rugby avec la victoire des Bleus de justesse hein, quand même devant l'Argentine. Je sais pas si vous avez vu le match, Christophe. Un petit succès qui console mais qui ne rassure pas, titrait le Parisien ce matin. La grande inquiétude, une copie à revoir pour François. Bref, le 15 de France est en chantier selon le Figaro. Les Bleus sont dans le rouge pour Libération. Moi, je vois bien une solution. Après les All Blacks et les Pumas, il faudrait organiser un match contre les Chippendales. Ça remonterait le moral à tout le monde. En plus, on a failli perdre au dernier moment. Hein. Ah oui. Moi, je trouve qu'il n'y a pas une grosse différence entre les All Blacks et les Français. La grosse différence, c'est l'entraîneur. Il n'y a pas de prise d'initiative, il n'y a pas d'imagination, il n'y a pas de relance. On sent qu'ils sont comme ça parce qu'ils sentent qu'il y a le Kaiser qui est dans les tribunes et s'ils font une connerie, ils se font tacler. D'ailleurs, l'équipe a commencé à l'attaquer la porte cette semaine et c'est très bien. Ce mec n'a jamais tort. L'équipe de France perd, c'est la faute de machin, de trucs, mais lui, il est toujours en dehors, comme ça. Donc il faudrait qu'il lâche un peu les joueurs, qu'il arrête de leur faire regarder des vidéos sans arrêt, en leur repassant leurs conneries, et puis qu'il leur dit « Jouez à la française, laissez-vous aller, du bonheur, du plaisir. Ah. » Oui. Non, moi, je crains que mes commentaires sur le rugby ne soient mal pris. J'ai encore essayé l'autre jour de regarder le match retour contre les All Blacks. Je ne comprends rien. Ah, voilà. Je vois des gros lards qui se jettent les uns sur les autres, qui se tapent dessus et puis qui se marchent sur le... Ce ne sont plus des gros lards. Oh, bah attends, quand ils sont tous ensemble, ça, tu ne peux plus voir non plus. Tu vois des grosses cuisses, des gros de trucs. Voilà. En plus, le ballon, avec sa drôle de forme, il rebondit dans tous les sens. C'est pas logique. Un ballon de foot, pouf, il rebondit comme ça. Ballon de rugby, pop, il part, on ne sait pas où. Eh bien, à ce rythme-là, on n'est pas champion du monde. Hein, tu sais. Nous allons accueillir maintenant l'un des groupes de pop rock les plus célèbres d'Allemagne. Ils vont venir sur ce plateau, et si je dis leur nom, Tokyo Hotel. Propulsés au sommet des hit-parades. Grâce à leur chanson « Durch den Monsum » sortie à l'été 2005, ils connaissent depuis un succès fulgurant. Les 4 jeunes membres de ce groupe provoquent des émeutes à chacune de leurs apparitions. Et vu le succès de leur premier album, « Schrei », le cri, ce n'est pas prêt de s'arrêter. Depuis quelques mois, Tokyo Hotel, c'est le nom de ce groupe, fait un véritable malheur chez nous aussi en France. Accueillons donc tout de suite, j'ose même plus le dire, Tokyo Hotel. On s'aperçoit qu'on est des gros ringards parce que je vois que le public jeune vous connaît, mais alors... On aurait dû faire ça, moi, quand... Voilà, il faut au lieu de faire humoriste, chanteur, comme ça, on aurait tiré, oh là là. Vous avez beaucoup de succès auprès des filles. Bien, comment ça s'appelle ? Oui, c'est vrai, c'est... on peut dire ça comme ça. Peut-être te montrer que je sais parler. Parce que vous vous moquez souvent de mon anglais.
Je peux peut-être vous montrer. On va pouvoir commencer à se moquer de ton allemand aussi. Non. Alors, allez-y, bitte schön. Bitte ich bin sehr froh. Willkommen. Dankeschön. Dankeschön. Et voilà. Parti. Sie sind jung. Sehr jung. Sehr gut. Oui, très jeune. Très bien. Mais vous parlez bien allemand, c'est vrai. Hein? Ah, je parle bien allemand. Hein? Et moi, ich bin sehr froh. Non, ça, je l'ai non. déjà dit. Ich bin sehr froh. Ich bin ein Berliner. Sehr gut. Pardon hein, de vous dire ça, mais c'est vrai que dans cette bande, non, personne, non. On ne vous connaissait pas, nous. Si. Vous, oui yeah. Ah, oui, parce que les enfants écoutent le disque. Ah, was comme mir? Ich bin sehr jung, aber ich habe des enfants encore plus jeunes. Du hast Kinder. Ich habe zwei Kinder. Zehn. Kinder und, surprise même. Zehn. Oui, les deux fois, c'est une surprise. Alors, il faut préciser que vous êtes quatre garçons, hein. Et... C'est pas évident sur la pochette. Moi, je suis très surprise parce que j'ai dû lire votre bio pour savoir que le chanteur était donc un homme, parce que à l'écoute, c'est pas évident. Sur la pochette. Oh, ça arrive à des gens bien, ils sont tous passés par là. Et maintenant, voilà, j'apprends, quatre hommes virils. Et il y a deux jumeaux, c'est lesquels les jumeaux alors? Les deux là. Ça se voit pas tout de suite. Bien. Là, c'est nous deux. Also, wir sind einige Zwillinge. Eh bien, ils ont bien fait, vos parents, de vous coiffer différemment pour vous identifier. Nee, also, bis zum sechsten Lebensjahr sahen wir komplett gleich aus. Oui, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on a un physique, un look tout à fait différent. Je crois que ça fait. Depuis l'âge de 6-7 ans, on a un look tout à fait différent. Alors, il faut savoir que vous avez commencé par un groupe punk. Comment s'appelait votre premier groupe au départ? Parce que vous n'êtes pas appelé. C'est pas votre interview. Et maintenant, donc, vous appelez Tokyo Hotel. Pourquoi Tokyo Hotel? En fait, l'idée, c'est qu'on aime bien les grandes villes, on voyage beaucoup. Donc, la ville de Tokyo, on trouve que c'est une ville vraiment intéressante, on trouve que c'est une ville jeune, au nom sympa. Et puis, hôtel, bah, comment dire, finalement, on passe le plus clair de notre temps dans les hôtels. Voilà pourquoi. Schrei, c'est le titre du single qu'on va écouter maintenant. C'est un de leurs gros succès, leur premier gros succès en France. Ils triomphent, il faut dire, à travers l'Europe. Hein, et le bouche à oreille fonctionne de façon incroyable, au point qu'à chaque fois qu'ils font une salle chez nous, c'est complet. Ce sera le cas d'ailleurs au Transborder à Lyon fin novembre. Regardons, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Tokyo Hotel, ce que ça donne. Voici Schrei. C'est nos Kyo un peu plus vénères, c'est, ça va, faut pas non plus, ça crie, ça hurle, mais c'est bien, moi j'ai bien aimé. J'interroge les plus jeunes, d'abord Virginie de Closade. Alors, vous faites du rock, moi je trouve ça très bien, effectivement ça ressemble un peu au Kyo, donc je comprends que le public soit si jeune, je suis pas sûre que ce soit pour moi, je suis peut-être même déjà périmée pour ces garçons-là. Bon. Vous la trouvez périmée? Soyez polis au moins. Non. Ah non, vraiment pas périmée, non, pas du tout. Quel âge vous avez les uns les autres? Parce que c'est important de le dire quand même. Vous, quel âge vous avez? Moi, j'ai 17 ans. 17 ans. Son jumeau aussi. Son jumeau aussi. Moi, j'ai 10 minutes de plus. Oui, lui, il a 10 minutes de plus. George. 19. 18 ans pour Gustave. C'est incroyable. Parce que quand j'entends les petites jeunes là à côté de moi, déjà, je passe pour un vieux. Moi, je vais vous dire, je suis si vieux que même mes enfants ne vous connaissent pas. Mais, je vous rassure, j'ai bien aimé votre disque. Et en général, j'aime beaucoup la musique allemande. J'avais commencé avec Ludwig von Beethoven et Franz Schubert. Et vous êtes les dignes successeurs de ces grands compositeurs. Annie Lemoine. Moi, j'ai un peu... Je voudrais aider les filles qui sont derrière moi parce que quand même, elles sont dans un état. Alors, voilà, j'ai lu dans la documentation. Écoutez bien, ils n'ont pas le temps d'avoir de petites amies. Aucun d'eux n'est vraiment tombé amoureux. Certaines filles ont parfois du mal à comprendre, disent-ils, que ce qui compte pour nous, c'est la musique.
Est-ce que c'est vrai? Oui, évidemment, c'est vrai qu'on a peu de temps pour nous, mais ce qui est important, c'est qu'on puisse faire les choses qui comptent pour nous et qu'on puisse s'amuser quand même. En tout cas, il parle bien allemand. Ouais. Hein. Jean-Bernard. Non. En fait, ils font une espèce de combinaison absolument formidable de punk, de new wave, de hard, de gothique. Ils ont pris tout ça, ils ont tout bien mélangé, ils ont tout bien secoué, et ils sortent ça avec une énergie absolument extraordinaire. Je voudrais vous revenir... Vous les faites marrer, les filles, en tout cas. Elles sont en train de se foutre de votre gueule, mais grave. Hein. Mais attendez, c'est normal. Je suis un vieux con, et j'assume totalement. Mais c'est de la musique. Elles disent oui, hein, derrière. Mais c'est normal, c'est de la musique pour jeunes cons, n'est-ce pas? Oui. Je voudrais savoir, c'est un truc que je faisais il y a très longtemps, mais c'était toujours très instructif. Est-ce que vous pourriez vider vos poches et qu'on voit ce que vous avez dans vos poches? Non, non, rien, rien dans les poches. Rien? Mais alors pourquoi un pantalon si large? Simplement gros, rose, dans la fin extrême. Bah, on a des grands pantalons comme ça, mais il n'y a rien dedans, c'est comme ça. Hein. Qu'est-ce que c'est? Une carte de quoi? La carte de l'hôtel. Ah, la carte de l'hôtel. Donnez-le à la demoiselle, là. Bon, vous êtes toutes invitées dans la chambre de Guilhem. Là. Christophe à l'évêque. Oui, oui, oui. Oh, moi, j'aurais dû faire musique, moi. Oh là là. Je regrette. Quelle maturité, quand même, quand on entend le disque. C'est vrai que la musique est très simple. Mais et puis, ça fait plaisir, pour une fois, d'entendre du rock qui n'est pas en anglais. Alors, rien que pour ça, bonne chance, continuez. N'oublie pas qu'il faut passer le bac. Quand même, et pour l'oral, toi, va chez le coiffeur. Alors, il y a une petite tradition dans cette émission. Alors, jamais c'est arrivé avec des vedettes internationales allemandes, mais on a eu ici Lionel Richie, on a eu Madonna, Michael Jackson, enfin tout. Dès qu'une vedette internationale vient ici, on lui demande qu'est-ce que vous connaissez, qu'est-ce que vous pouvez fredonner comme chanson, chansonnette, refrain en français. Moi, je ne connais pas de chansons en français, mais par contre, je peux vous dire deux, trois mots en français. Malheureusement, je ne parle pas très bien en français, mais j'essaierai de m'améliorer pour la prochaine fois. Je m'appelle Bill. Je m'appelle Tom, j'habite à Lodge, Magdebourg. Ah, ça, c'est au cas où vous vous perdez, le manager a dit... Bah, écoutez, vous allez en tout cas mieux connaître la chanson française et même internationale, d'ailleurs, puisque Jean-Bernard Hébé va vous proposer un disque, enfin trois même, et il faudra en choisir un. Et on commence par peut-être un groupe que vous connaissez, parce que quand même, après tout, ils ont fait du succès à travers le monde et à travers l'Europe, le groupe Trust, Jean-Bernard Hébé. Alors, l'album s'appelle « Soulagez-vous dans les urnes ». C'est un album live avec des chansons en plus, qui ont été rajoutés sur l'album. Le problème du hard, en général, c'est qu'il est assez dur de faire parler les décibels. Les décibels, ça ne va pas toujours avec du sens. Or là, Trust, et notamment Bernie, font ça très très bien. L'album est essentiellement dirigé vers les ados, et il est très anti-sarco. Et dans le genre rock'n'roll bien solide, ça rappelle de temps en temps Johnny Hallyday, mais c'est plutôt très bien foutu. Sarkoland, c'est justement le titre du premier single, extrait de Soulagez-vous dans les urnes, Trust. Parler une autre langue, prière un autre Dieu. Païen martyr, réinvestisse un non-cieux. Elsa Fayer. C'est vrai, ça ressemble à du mauvais Johnny. Je ne me soulagerai pas d'un euro pour acheter le disque. Christophe à l'évêque. C'est très bien, on fait jamais du neuf avec du vieux, ils ont encore la pêche, bravo. Annie. C'est pas trop mon truc, moi je trouve la pochette est bien. On passe alors à John Legend. Qui c'est ça? Alors, John Legend, c'est, bah, comme vous pouvez le constater sur la pochette, il est black. Il a travaillé avec les plus grands. En fait, c'est du miel pour les oreilles, c'est du Viagra pour le cœur, c'est du baume pour le sexe. Si vous avez aimé Marvin Gaye, si vous avez aimé Stevie Wonder, ce ne sont que des mélodies toutes plus belles les unes que les autres, très inspirées par New York. L'album s'appelle Once Again. Moi, je trouve ça absolument superbe. Et l'extrait qu'on regarde, Save Room. Let's get a fire. Stay, 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 save room for my life.
Moi, c'est la relève de tous les artistes que j'aime et je trouve qu'il tient très bien le truc. Donc, Flip-Gueluc. Je prends, si personne l'emmène, passez-le-moi. Virginie. C'est de la musique d'ascenseur. Bon, bah, on va terminer avec cet album de Snoop Dogg. Bon, Snoop Dogg, c'est le roi, enfin l'un des rois du rap. C'est vrai que c'est une vraie purge pour les fans de Hard et également pour les fans de Benjamin Biolay, parce que ça les réveille. Mais c'est absolument formidable. Enfin, il y a de tout. Il y a 19 titres sur l'album. Tout n'est pas aussi excellent que celui qu'on va écouter, mais dans l'ensemble, le grand Snoop est de retour. L'album s'appelle The Blue Carpet Treatment et l'extrait That That. On peut dire ça comme ça. En allemand. Oh. I came to cool out, lay back and get... Maybe Henny, maybe gin, a couple shots of Patron. And if you didn't, you missed it. But now it's known that this, that Kale sing that song, come on. I pull up Diplo in the Phantom with the wheel spinning. Ladies like that's that. I'm in the back of the club. Hands up, head bobbing like so. Welchem Album wollen Sie? Also ich würde sagen, ich nehme das hier. Moi, c'est celui-là que je voudrais, oui. Snoop Dogg. Ah, ben Snoop Dogg. Ah, non, non, ça, ah, ils vont tout prendre, les salauds, hein. Ça, c'est les jeunes. Trust, Trust. Trust. Non, moi, celui-là, on vous le laisse, hein. Yeah. Tokyo Hotel, Shy. C'est le titre qui tourne en ce moment dans les radios. Et c'est le titre de leur album. Merci à tous les quatre. Merci. Vous l'avez certainement lu dans vos journaux. Mardi dernier, 4 députés chargés d'enquêter sur l'influence des sectes chez les mineurs ont débarqué au sein de la communauté Tabitha's Place à Sus-en-Béarn, c'est dans les Pyrénées-Atlantiques. Accompagnés d'inspecteurs de l'éducation nationale et de médecins scolaires, les membres de la mission anti-secte ont ainsi découvert qu'une cinquantaine de jeunes y vivaient totalement coupés du monde, on verra d'ailleurs quelques images en un instant, et obligés de travailler et d'adhérer à l'idéologie de leurs parents. Il paraît que dans cette secte, Tabitha's Place, les jeunes ne connaissent même pas Zinedine Zidane, ils ne savent pas ce que c'est qu'Internet. Bref, on va parler de cette secte et d'autres sectes en général avec le président de la commission d'enquête parlementaire sur les sectes, M. Georges Fenech. Bonsoir, bienvenue. Alors évidemment, bravo pour ce que vous faites, parce que c'est bien de dénoncer les sectes. Et en même temps, je me dis, est-ce que vous ne leur faites pas indirectement, sans le vouloir, évidemment, de la publicité? Parce que alors moi, je n'avais jamais entendu parler de cette secte, quasiment, et j'en ignorais même l'existence. Ben, je crois que plus on aura de regards sur ce type de communauté qui enferme les enfants, et mieux ce sera. Il y a des enfants qui naissent dans des sectes, qui naissent dans des communautés fermées, qui ne connaissent que cette communauté, et qui ne seront pas armés plus tard pour devenir des citoyens libres, capables de se défendre dans une société. Alors plus on en parlera, et mieux ce sera pour eux, je crois. Et quel âge ont les enfants que vous avez vus? Ça va de 0 à 18 ans. J'ai vu des enfants en âge de scolarité, c'est-à-dire entre 6 et 16 ans. Et alors qui sont en retard par rapport à d'autres enfants? Je vous dis qu'ils ne connaissent rien. Ils ne connaissent strictement rien du monde extérieur. Ils vivent dans une espèce de monde virtuel, rural, rustique. Ils portent des prénoms bibliques. Ils sont habillés un peu, vous savez, comme les Amish, avec des grandes robes. Les petits garçons ont une petite queue de cheval. Les filles ont des grandes queues de cheval. Et puis, ils n'ont accès à aucune information. Ils n'ont accès à aucun loisir, à aucun spectacle. Ils ne sont jamais allés dans une salle de cinéma. Ils n'ont jamais vu une télévision. Alors, vous me direz, on peut vivre sans télévision, bien sûr. Mais c'est montrer le degré d'enfermement psychologique et, je peux dire, de maltraitance psychologique pour ces jeunes qui n'auront pas les mêmes chances de vie dans la société que tous les enfants de ce pays. Ils n'ont pas subi de maltraitance physique, vous disiez. Je n'en sais rien. Moi, je vous rappelle simplement qu'il y a une dizaine d'années, le petit Raphaël, qui était âgé de 19 mois, est mort de rachitisme dans cette secte par manque de soins. Ses parents ont été condamnés à 12 ans de réclusion criminelle par une cour d'assises. Il n'y a aucun enfant qui n'est vacciné. J'ai fait vérifier, aucun des enfants n'était vacciné alors que la vaccination est obligatoire. Voilà, c'est un véritable drame et moi je pose la question publiquement, est-ce qu'on a le droit de laisser ces enfants sans leur porter secours? Ça allait être ma question suivante. Pour l'instant, c'est autorisé, donc. Mais ce qui permet ce genre de choses, c'est que, comme vous le savez, dans notre pays, si l'enseignement est obligatoire de 6 à 16 ans, la scolarisation dans une école de la République n'est pas obligatoire. On peut enseigner dans les familles. Vous avez pu faire cette visite facilement? On vous a laissé rentrer facilement, vous et les quelques autres parlementaires? On est arrivé de manière inopinée.
Nous avons discuté à peu près une demi-heure. Nous leur avons expliqué ce que nous venions faire. Ils nous ont reçus de manière très conviviale. On nous a offert le thé, les gâteaux préparés par les femmes qui étaient présentes. Et puis ensuite, j'ai demandé à voir les écoles et à voir surtout les enfants. Et là, ben, j'ai trouvé des enfants hors du temps. J'ai rencontré en particulier une jeune fille de 18 ans, hors présence de sa mère. Il a fallu discuter aussi avec la mère pour que je puisse la voir hors présence de ses parents. Je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle faisait, quels étaient ses projets. Elle m'a répondu qu'elle allait faire de la couture. Vous voyez, c'est toujours à ce niveau-là. Et puis, je lui ai demandé si elle avait une relation avec un garçon de son âge, comme toutes les jeunes filles de 18 ans, quand même. Elle m'a expliqué que si elle rencontrait un garçon à l'extérieur, elle serait obligée de quitter la communauté pour pouvoir vivre. Et elle n'envisageait absolument pas de quitter la communauté. Donc, elle était née dans le manoir, puisque les naissances ont lieu souvent dans le manoir. Elle y a passé 18 ans, donc. Et elle y a passé 18 ans, isolée du monde, quoi. Ça veut dire que vous envisagez, avec les autres parlementaires, un durcissement de la loi anti-secte et de proposer... Moi, je ne mène pas de combat anti-secte, entendons-nous. Hein. Ça, ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est de savoir... Les majeurs font ce qu'ils veulent. Ils ont de croire et de vivre comme ils le souhaitent. Ce qui m'importe, ce sont les enfants qui, eux, n'ont rien choisi, qui n'ont pas la capacité, la possibilité de se défendre et qui ont besoin que la société s'en préoccupe. Jean-Bernard Hébé. Alors, ne vous méprenez pas sur ce que je vais dire, et je veux le dire en préalable, je suis évidemment violemment contre toutes les sectes et contre toute forme de secte et contre toute forme de religion qui amène à un enfermement, ce qui expliquera ce que je dirai dans le futur. Mais je trouve un petit peu dommage qu'on s'acharne en ce moment contre cette secte-là, parce que c'est en fait la plus ouverte de tous. Bon, ils vous ont reçu, peut-être à l'improviste, mais ils vous ont reçu, ils vous ont parlé, ils ont reçu les caméras de télévision. Dans le même temps, on a en France des scientologues, des moonistes, des témoins de Jéhovah qui viennent frapper à votre porte. Ceux-là sont beaucoup plus puissants. Eux, comment ils vivent? Comment ils ont acheté ce manoir? En fait, ils cultivent des légumes, des fruits, des fleurs qu'ils vont vendre au marché. Ils ne vont pas extorquer de l'argent chez les gens. Donc ils sont beaucoup moins nuisibles, si vous voulez, que Tom Cruise. C'est là où il y a un truc qui fait deux poids, deux mesures. Je répète, je suis contre ça. Mais je suis contre aussi les bénédictins, je suis contre les sœurs Clarisse, je suis contre ces femmes qui, au nom de la religion, sont en... Vous me direz, elles ne font pas d'enfants. C'est pour ça, peut-être, que vous ne vous en occupez pas. Mais c'est la même maboulerie. C'est ça ce qui me gêne. Je trouve qu'aujourd'hui, ce sont des gens... les plus fragiles et peut-être les plus ouverts, mais qui nous permettent aussi d'entrouvrir une porte. On laisse répondre M. Fenech à ça. Alors, quand vous dites qu'elle est plutôt ouverte, non, bah, elle est ouverte parce que nous y sommes allés, parce que la société a quand même un droit de regard, voir ce qui s'y passe. En grattant un petit peu, on va peut-être découvrir des choses qui ne sont pas acceptables. Je parlais de l'absence de vaccination. Il y a probablement aussi un problème de nutrition. Moi, j'ai trouvé ces enfants au teint un peu livide. Je sais qu'ils mangent pratiquement exclusivement qu'autour de repas faits de céréales, par exemple. Donc tout cela, bien sûr, vous avez raison. Hein, il y a d'autres communautés à laquelle il faut s'intéresser. Virginie de Clausade. Comment vous faites pour définir quels sont les critères sur lesquels vous pouvez dire qu'il s'agit d'une secte, sachant en plus que ça varie complètement d'un pays à l'autre? Par exemple, on parlait de la scientologie. C'est accepté ici, c'est considéré comme une secte. Effectivement, on reçoit quand même Tom Cruise en lui filant les clés de la ville. Et aux États-Unis, c'est tout à fait normal et... toléré, voire bien vu. C'est une question difficile que vous posez, je n'ai pas de réponse. La seule chose qui doit nous préoccuper, les parlementaires, les élus, les juges, c'est quand la ligne jaune est franchie, c'est-à-dire la loi. Quand on commet des attentats sexuels sur des mineurs au nom d'une idéologie, eh bien, le juge doit intervenir. Quand on enferme physiquement, qu'on commet de la maltraitance physique, on doit intervenir. C'est là la différence. Le reste ne doit pas nous concerner. Oui, mais c'est facile d'intervenir que quand il y a catastrophe. Oui, c'est vrai. Moi, quand j'ai demandé à des enfants de 10 ans pourquoi ils n'allaient pas à l'école, ils m'ont répondu parce que c'est l'école de la folie. On leur présente le monde extérieur comme le monde du mal. Oui, mais là, je ne dis pas que la société aujourd'hui est parfaite.
Je dis que des enfants doivent aussi apprendre ce qui est à l'extérieur, même ce qui est mal, oui, pour vous, pouvoir être armés dans la vie. Vous êtes en train de parler de sectes, chose oui. que je comprends Elle très bien. Elle parle des cas individuels. Je vais répondre à la place de M. Fenech. La différence entre les cas individuels et les sectes, c'est que les cas individuels se retrouvent quand même au sein d'une même école, l'école républicaine et laïque. Donc, là, ils sont privés d'école. En fait, c'est surtout le lien social qui manque, parce qu'en soi, ne pas savoir qui est Zidane, être privé de télé, être privé d'Internet, c'est pas une catastrophe en soi. Pierre Bénichou, c'est... Non, mais il y a trop de gens. Je veux dire, c'est vrai que dans notre... si on veut se faire l'avocat du diable, on voit qu'il y a des lieux de vie qui deviennent infernaux à force de trop de télé, de trop de hamburgers, de trop de foot et de trop de violence. Mais je voudrais vous parler d'une chose plus grave. Je fais partie moi-même d'une secte. Et vous pouvez peut-être nous aider à nous en sortir. Notre gourou porte des petites lunettes rectangulaires. Monsieur Fenech, au secours, il nous oblige à manger des pâtes tous les midis. Il nous oblige à regarder ses émissions le samedi soir jusqu'à 3h du matin, à aller voir ses pièces de théâtre, à lire ses livres. Il a une emprise sur nous. Il nous oblige à dire des conneries à la télé alors que nous, on voudrait dire des choses sérieuses. Qu'est-ce qu'on peut faire contre lui? Bon, je crois qu'on va s'intéresser à son cas. C'est bien lui. Et vous n'avez pas l'air malheureux hein, dans cette secte. Oh mais non, mais quand la télé est là, il nous oblige à faire de rien. Avouez-le-moi, Nani. Je trouve que dans l'ensemble, sur ce plateau, aujourd'hui, on a beaucoup trop atténué le côté dramatique de cette histoire. Une secte est toujours une secte, quelle qu'elle soit. Et il n'y a pas de degré, de hiérarchie à établir dans cette horreur-là. Les enfants qui sont dans ce genre d'endroits sont pris en otage. Ils sont dépossédés d'eux-mêmes. Ils ne savent pas ce qu'ils pensent. C'est comme des appartements vides qu'on a cambriolés. Il n'y a plus rien à l'intérieur. Ils ne peuvent pas sortir parce qu'ils ont peur du monde extérieur. Écoutez une grand-mère qui a connu ses enfants avant et écoutez-la en parler. Écoutez tous les proches qui parlent de ces gens qui sont enfermés dans des endroits comme ceux-là. C'est absolument terrifiant. Et ceux qui arrivent par miracle à s'en sortir ont le sentiment qu'on leur a volé une partie entière de leur vie. Ils ne s'en remettent jamais. Alors moi, vous dites, j'espère que les pouvoirs publics vont faire quelque chose. Oui. Vous faites un rapport. Oui. Et vous dites, je m'y engage. Mais dites-moi de quelle façon, dites-nous de quelle façon, parce que rien n'est moins sûr. La France est signataire d'une convention de New York sur les droits de l'enfant. Qu'est-ce qu'elle dit, cette convention? Elle dit aussi que l'enfant doit être élevé pour devenir un citoyen libre, éclairé, capable de jugement, capable de se défendre dans la société. Alors, il faut que nous prenions des mesures. Nous allons les proposer dans un rapport qui sera remis le 19 décembre au président de l'Assemblée nationale. Et je compte beaucoup sur la mobilisation de la presse, de l'opinion, pour jeter des bouées de sauvetage à ces enfants. Vous savez, quand j'ai quitté cette communauté, il était à peu près midi et demi, ils se sont alignés, les 18 enfants, et ils m'ont chanté une chanson en anglais. C'était très émouvant. Je me suis dit, on se reverra, c'est pas possible, on peut pas vous laisser comme ça. Il faut signaler évidemment que les membres de cette commission d'enquête parlementaire, les différents donc, députés, sont, pour votre cas, UMP, un autre était socialiste, un autre communiste. Oui. Là-dessus, tout le monde est Alors, d'accord. Je dois vous dire là-dessus qu'effectivement, on dépasse complètement les clivages politiques. Non, mais c'est important de Et nous avons adopté cette commission d'enquête à l'unanimité des groupes politiques. Christophe, à l'évêque. Oui, alors vous y êtes allé sur place avec quatre élus, donc deux de l'UMP, un du PS, un du PC apparenté. Donc déjà, le fait d'enquêter sur des sectes annule chez vous le côté sectaire. Oui. Donc ça, c'est bien. Alors encore un petit effort et vous allez y aller avec un élu de l'UDF. L'UDF, vous savez, donc ce groupe dissident dirigé par un gourou de peau. François Gourou. Voilà. Alors concernant ces sectes, ils ont des règles de vie, comme le disait Jean-Bernard, qui ne sont pas très éloignées des moines ou des sœurs, à la seule différence qu'il y a des dérives avec les enfants. Bon, à une autre échelle, parce que je n'ai pas été traumatisé, mais on m'a forcé à faire ma communion. Si vous voulez, on ne m'a pas demandé mon avis. Juste un mot, t'as peut-être tenu un cierge à l'église, t'as peut-être traumatisé. Non, j'ai dit que c'était mais t'es allé en même temps à l'école de la République. On est bien d'accord. Vous avez fait votre communion, mais aujourd'hui, vous avez une capacité de jugement, d'autocritique sur tout ce qui se passe. Eh bien, l'église, mettez l'église dans le coup aussi, que eux mettent des règles. Moi, j'ai jamais entendu le pape le dire, faire des règles contre les sectes. Jamais. Ils n'ont jamais mis de limites. À la limite, un peu d'insecticide parfois dans les coins, mais c'est tout. Écoutez, bon courage alors, parce que c'est un vaste chantier, manifestement, et vous avez du pain sur la planche. Vous êtes président de cette commission d'enquête parlementaire sur les sectes, nommée en 2006 député UMP du Rhône. On vous remercie pour votre témoignage. Merci. Monsieur Georges Fenech. Notre dernier invité pour ce soir,
C'est François Berléand, un talentueux comédien. Sa très longue filmographie en témoigne. On le retrouve à l'affiche de nombreux films ces dernières années, depuis Mon Idole, à L'Ivresse du Pouvoir, en passant par Les Choristes, ou plus récemment Ne le dis à personne, toujours à l'affiche, le dernier film de Guillaume Canet. Ce soir, François Berléand vient nous présenter Le Fils de l'Homme Invisible, son autobiographie parue chez Stock, livre dans lequel il nous raconte son enfance et son adolescence. Pour en parler tout de suite avec lui, voici François Berléand. Le fils de l'homme invisible. C'est vrai que c'est une phrase qu'on avait déjà prononcée sur différents plateaux télé parce que c'était dans votre bio régulièrement, oui. Et à chaque fois ça faisait marrer tout le monde cette histoire-là et on vous posait à chaque fois la question. Absolument, voilà. Et vous êtes dit tiens, il y a peut-être quelque chose à creuser là. Oui, oui, enfin c'est-à-dire que j'avais vu Jean-Marc Roberts 2 ans avant que je commence à parler de cette histoire et donc je savais que je devais écrire ce livre mais je ne savais pas quand j'allais le faire et puis voilà, j'ai mis 2 ans et puis... Alors, il faut expliquer que vous avez vraiment entendu cette phrase. C'est pas inventé. Ah oui, non, c'est pas inventé du tout. Ah non, non, mais tout est totalement vrai. Il se trouve qu'à 11 ans, mon père m'a dit que j'étais le fils de l'homme invisible. Je l'ai cru et que ça posait des tas de problèmes après pour, voilà, pour moi. Vous aperceviez bien que votre papa n'était pas l'homme invisible et que vous-même, vous n'étiez pas invisible. Ah non, mais je pensais du coup que mon père n'était pas mon père. C'était... Mon père était l'homme invisible. Donc j'ai bien compris. Je ne le voyais pas. Oui. Laurent, excuse-moi. Laurent, est-ce que François Berléand est déjà arrivé? Vous voyez? Ça continue, hein, finalement. Ça a été difficile à accoucher de ce bouquin, à raconter cette histoire? Bah oui, parce que je suis pas écrivain, donc il m'a fallu beaucoup de temps pour choisir les mots, les phrases. Et replonger dans son enfance. Bon, je sais que vous avez fait une analyse, oui, et que peut-être vous l'aviez déjà faite. Oui, mais... oui, l'analyse a simplifié tout ça, mais c'est vrai que la première partie a été assez rapide à faire, et la seconde partie, quand je passe de l'invisibilité à la trisomie, puisque oui, je pensais... Oui, ça aussi, vous êtes inventé... Une trisomie, donc ça a été très dur, parce que ça a été... 3 ans de vie extrêmement difficile à vivre. Vous ne pensez pas aussi compliqué que ça, hein? Moi non plus. Annie Lemoine, vous l'avez lu, Le Fils de l'Homme Invisible. Oui, pour moi, ça a été la révélation, enfin la clé de votre personnage, en fait, dans la vie, finalement. Parce que je trouve qu'il y a une espèce d'opacité entre vous et les autres en permanence, c'est-à-dire qui est cultivée au cinéma, finalement. Les réalisateurs, vous dites, ne vous donnent que des rôles de faux cul, de lâche, etc. Et donc ça, quand j'ai lu ça, j'ai dit, mais oui, évidemment, bien sûr, quelqu'un qui a aussi peu confiance en lui toutes ces années, qui souffre de ça, c'est une vraie souffrance. Hein. Si vous n'étiez pas tombé sur un psychologue, qui est un type remarquable dont vous parlez, Marc, qui un jour vous prend par le col en disant, bon, écoute, je vais t'emmener, tu vas rester avec moi toute la journée, tu vas voir que je passe aucun coup de téléphone, je vais t'emmener à Compiègne, et puis là, tu vas regarder dans les glaces de Compiègne. Et vous choisissez au hasard la ville, c'est vous. Il vous fait choisir au hasard. Donc vous voulez la partie à Compiègne, vous regardez dans les glaces et vous vous voyez. Donc là, vous prenez conscience. Il n'y a pas de doute, effectivement, je me vois, donc je ne suis pas invisible. Et ce garçon, Marc, est plein de bon sens. Il a une phrase clé, il vous dit « J'ai vu tes résultats scolaires, c'est pas très brillant. » Un vrai gâchis, non? Et vous dites « Sa manière de dire cette phrase m'a incroyablement touchée. Il l'a dite sans aucune agressivité, simplement comme un constat, sans me juger. » Et il vous sauve. Ce type-là vous a sauvé, en fait. Ah oui, totalement. Totalement. Et c'est incroyable parce que finalement, tout est parti d'une phrase assez malheureuse de mon père. Enfin, bon, c'était une plaisanterie. Et puis, à la fois, je me rends compte que toute ma vie, ça a été, enfin, toute mon adolescence, ça a été ça. C'était une parole forte. Après, quand un garçon me dit « ça te fait rire le mongolien », je le prends comme argent comptant. Mon père avait dit vaguement qu'il descendait d'une tribu mongole. Mais encore une fois, en plaisantant, moi, j'ai pris ça comme... argent comptant, et du coup, bon, effectivement, mongol, mongolien, donc j'ai pensé que j'étais mongolien, et puis il a fallu une parole forte de ce psychologue pour que, voilà, je m'en sorte. Philippe Gueluc. Alors, moi, je vais vous dire, je trouve ce livre absolument formidable. Vous racontez que vous avez eu beaucoup que vous avez pleuré même en l'écrivant, parce que c'était une vraie difficulté pour vous, mais je trouve que le résultat est absolument réjouissant, c'est un bijou. D'abord, c'est très, très bien écrit, et puis... Ce que je trouve formidable, c'est l'histoire d'un enfant raconté à la première personne, mais raconté avec les mots d'un adulte. Et je trouve qu'il y a une conscience chez cet enfant qui dit faire des choses. Il y a c'est une scène formidable quand vous montrez à un camarade, il prend un caillou dans la main pour bien voir, comprendre si lui, il est invisible ou pas. Il dit à son copain, qu'est-ce que tu vois? Et l'autre lui dit, ben, un caillou. Et donc il voit le caillou, il ne voit pas ma main. Il enlève le caillou, il dit « Maintenant, qu'est-ce que tu vois ?» Et l'autre lui dit « Plus rien. » Ben oui, et puis bon, et ça continue comme ça, c'est un jeu magnifique. Et alors, c'est cette,
certitude, là, il rêve à un moment qu'il va aller rencontrer, après être passé à la banque, avoir pris quelques milliards de dollars, et puis il va rencontrer le général de Gaulle pour essayer de régler les problèmes planétaires et de vouloir réconcilier les Russes et les Américains. Il est reçu avec beaucoup de sympathie par de Gaulle, qui trouve son projet formidable, et qui lui demande s'il peut faire quelque chose pour le remercier de cette belle initiative. Il dit oui, si vous pouviez supprimer de mes menus les choux-fleurs, les carottes bouillies et les endives. Et c'est les préoccupations d'un môme. Je trouve ça... On est de la même génération, à deux ans près, et j'ai retrouvé toute mon enfance. J'ai retrouvé mes préoccupations, j'ai retrouvé mes angoisses, mes envies, les héros, l'homme invisible, Zorro, tout ça. Et tout ça est raconté avec le plus grand sérieux, avec, je vous dis, avec les mots d'adulte. Et c'est ça, au fond, qui amène ce rire formidable, parce que ce livre a sans doute été douloureux à écrire, mais quel bonheur de le rire et quelle drôlerie. Merci. Le fils de l'homme invisible chez Stock, c'est vous, hein, évidemment, qu'on voit. Oui. Pas mieux préciser, vous n'avez pas beaucoup changé. On vous reconnaît. Ah oui, on vous reconnaît quand même. Ah oui. Ah oui. Ah bah, ça me fait plaisir, merci, c'est gentil. Elsa Fayer. Oui, moi j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça extrêmement drôle. Et bizarrement, moi aussi, je me suis retrouvée à travers votre enfance. Parce qu'on s'invente tous des mondes un peu imaginaires. On a tous envie de vivre une vie pas banale. On a envie de vivre des choses que les autres ne vivent pas. Est-ce que finalement, être acteur, c'est pas aussi avoir envie de vivre une vie parallèle, une vie que tout le monde envie? Est-ce que cet homme invisible, finalement, ça vous a pas mené à devenir un grand acteur? Un grand, je sais pas, mais en tout cas, c'est sûr que j'étais prédisposé pour être acteur. Le fait d'avoir inventé dans ma tête ça, la visibilité, la trisomie, c'est vrai qu'après, j'avais... plus de facilité pour entrer dans les mondes qu'on me proposait. Jean-Bernard Hébé. Vous avez déclaré que ce que vous détestez le plus, c'est « parlez-moi un petit peu de vous ». Or, en fait, vous ne parlez que de vous. Et c'est très inquiétant, tout ce que vous dites. Je veux dire, on sait des choses sur vous très, très, très graves. Je veux dire, vous avez peut-être fait une analyse avec un psychiatre. Je peux dire ce que vous aviez dit en coulisses, parce que vous savez, on met une petite note sur ce qu'ils ont pensé les uns et les autres. Jean-Bernard Hébé, deux points, ouvrez les guillemets, le mec est cinglé. C'est ce que je viens de dire. Il est totalement jobard. Mais c'est ça. Mais attendez, il faut être jobard déjà pour être comédien. Parce qu'en fait, c'est monter sur scène et dire « aimez-moi ». Bon, et c'est ce qu'il veut, c'est qu'on l'aime. Alors j'avais quand même une question à vous poser. C'est si nous supposions qu'aujourd'hui c'est le premier jour du reste de votre vie, qu'est-ce que vous changeriez? Mais c'est le premier jour du reste de ma vie. Et vous ne voulez rien changer? Ah non, ah rien, mais rien du tout. Ah non, non, rien, rien. Tout est parfait, ni au passé, ni dans le futur. Ah oui, non, non, je veux rien changer. Ah oui, non, rien changer, ah non, non. Moi, je suis très heureux comme ça. J'aime bien, il dit « je suis très heureux comme ça » avec cette tête totalement désespérée. Christophe Alévèque. Oui. C'était à chaque fois qu'on reçoit un acteur ou une actrice qui écrit son autobiographie, ils ont toujours des enfances, mais absolument terribles. C'est à se demander s'il faut être normal, effectivement, pour faire ce métier. Mais la seule différence que moi, quand j'ai lu le livre, là, c'est vraiment bien fait. Enfin, c'est bien fait, c'est pas bien fait pour vous. C'est vraiment bien raconté. On se dit, heureusement que votre père ne vous a pas dit que vous étiez le fils de Spider-Man, sinon vous seriez mort, là, à l'heure actuelle. C'est très drôle. Et puis, d'un autre côté, c'est complètement pathétique. Il y a des moments où c'est très léger. Et puis, mais c'est lourd parce qu'on se met à la place de ce petit gamin comme ça qui est dyslexique, schizophrénique, paranoïaque. Oui, non, moi aussi, je suis dyslexique. Je me suis fait soigner, maintenant, tout est KO. Alors, parano, abonné au psy, persuadé d'avoir mis sa cousine de 10 ans enceinte en l'embrassant. Un peu niais aussi, un peu immature. Persuadé que baiser, c'est embrasser une fille avec la langue, enfin, qui fait tout pour être anormal, persuadé qu'il est mongolien, qui organise même à un moment donné dans le... Mais c'est le passage qui m'a fait le plus rire, alors qu'il est pas drôle, qui organise un faux suicide aussi, parce qu'il y a une fille qui l'a quitté. Et c'est vrai que j'y avais pensé aussi une fois à ça. Je voulais juste vous poser une question, ça va mieux? Ah bah mieux, ça va mieux, Thierry Lafronde. Oui, ça va mieux, ça va mieux, ça va mieux. Ah non, je ne veux rien changer, je ne veux plus rien changer de ma vie. Oui. Et juste un côté, vous êtes, on sait bien, vous êtes un grand cynique, et ça c'est une défense, je connais bien le problème. Est-ce que vous vous soignez un peu, parce que vous trouvez votre côté cynique vous-même un peu idiot? Oui. Est-ce que vous faites quelque chose pour... parce qu'on pourrait y aller ensemble, éventuellement. Non, non, mais c'est vrai que j'étais un grand, grand naïf, et qu'à 30 ans, quand mon fils est né, je me suis dit qu'il fallait que je trouve une parade à ma naïveté. Donc je me suis enfermé dans un cynisme comme ça, un peu
Mais un cynisme drôle, pas un cynisme agressif. D'accord. Moi, j'aimerais bien que vous nous parliez de votre vie de couple, parce que j'ai appris grâce à la bio, j'ignorais que vous étiez pendant 14 ans avec Nicole Garcia. Aujourd'hui, vous êtes avec une jeune femme de 29 ans. Et j'aimerais bien, je crois que c'est quelque chose qui 36, vous... 36, 36, 36. Ah, il y avait marqué 29. Elle a 36 ans. Bon, elle est jeune quand même, de toute façon. Oui, elle est jeune, oui. J'aimerais bien que vous nous disiez un petit peu comment vous êtes en couple. Vous ne parlez pas trop de votre intimité. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'intéresse. C'est pour ça que je ne vais pas vous en parler. Voilà. Non, mais vous dites quand même... C'est la femme invisible. Oui, c'est la femme invisible. Vous dites quand même que, avant, quand je voyais certains de mes copains dans cette situation, donc avec une femme plus jeune, je ne comprenais pas, mais là, d'un coup, j'ai compris. Voilà. Alors, c'est vrai. Qu'est-ce que vous avez compris? Bah que c'était très agréable aussi. Attendez le prochain épisode, je peux vous raconter ce qui va se passer après. On voit déjà qu'il est parano, si en plus vous lui dites ça, alors là, vraiment. Allez, le 6 de l'homme invisible, c'est chez Skunk, c'est le premier livre de François Berléand, vous l'aurez compris, un livre autobiographique. On va se détendre un peu avec Jérôme Bonaldi, ça vient de sortir. Effectivement, ça vient de sortir. Vous vous dites, c'est un bout de carton, voilà. Non, c'est plus qu'un bout de carton sur lequel qu'on peut découper à la forme qu'on veut, on peut dessiner, recouvrir d'un tissu, d'une toile. C'est un haut-parleur. Ah bon ? Oui, un haut-parleur ultra plat, et je le prouve immédiatement en le branchant. Pouf ! Je le branche là, et d'un seul coup... Pas mal, hein ? Et en plus, c'est un haut-parleur directionnel. Là, François entend... Maintenant, vous entendez. Aucun intérêt. Si, attends. C'est dingue, hein. C'est un haut-parleur. C'est pas beau. On l'entend pas bien. Mais non, attendez. Pour le moment, ça n'est pas très beau. Mais avec un dessin de vous ou une signature de François, d'un seul coup, ça devient... Regardez. Tiens, ça marche déjà plus. Si, ça marche. L'autographe musical. Non, mais si, parce que c'est juste là, qu'ils sont en train d'applaudir. C'est directionnel. Attends, vous êtes un peu loin, j'ai pas vu la puissance maximum. Non, mais ce qui est remarquable, Bonaldi, c'est que c'est ultra plat. Parce que d'habitude, des enceintes, c'est très arrondi. Mais là... Eh oui. Mais là, c'est... Hein? C'était juste pour vous dire qu'en matière de son, il se passe maintenant de plus en plus de choses passionnantes et intéressantes. Ouais. Mais il m'étonne pas, parce que regarde, moi, j'en avais aussi un haut-parleur. Tu m'entends, Christophe? Oui. Je t'entends très bien. Ça marchait avant. Et ça, alors, c'est... Voilà. Ça aussi, c'est un haut-parleur. Imaginez que c'est pas un haut-parleur, mais un rayon laser, une lampe de poche très directionnelle. Là, vous entendez de la musique, et les autres n'entendent rien. Rien. Là, c'est assez dingue, ils entendent. Vous entendez la musique, là? Les autres n'entendent rien du tout. Jean-Bernard n'entend pas, mais lui, c'est parce qu'il est sourd. C'est totalement directionnel. Mais les autres, c'est vraiment totalement muet, ils n'entendent rien du tout, du tout. Ça va reposer les parents, ça. Si on parvenait à inventer ça avec la cigarette, finalement, on pourrait fumer dans les restaurants sans emmerder les autres. Ça veut dire que, par exemple, dans un musée, à côté d'un directionnel, à côté du tableau, il y aurait un son qui expliquerait et les autres ne seraient absolument pas gênés. Dans un magasin, c'est la même chose. Je vais essayer de vous le prouver. Regardez, je vais prendre le micro. 1, 2, 1, 2, 2, ça marche. Là, il n'entend rien. Chut, écoutez. Là, il entend. Et là, il n'entend rien. Oh, c'est putain, parfaitement directionnel. En fait, il se sert. C'est extraordinaire, hein. Ça, c'est bien. Ah, ça vous bluffe. Là, vous entendez. Là, monsieur entend. Est-ce qu'ils le font en tout plat et blanc? Ah non, 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 non. Regardez, je vous explique très rapidement. Il y a une porteuse qui a des ultrasons. Les ultrasons, ils sont très directionnels, eux. Au contraire des basses qui se baladent n'importe où. C'est un peu comme un rayon laser, si vous voulez. Ça va comme ça. Et sur ces ultrasons, absolument inaudibles par vos oreilles, je m'en sers comme porteuse. Mais pourquoi et je vous le nous module. Jouez la cage aux folles pour nous expliquer ça? C'est bien, hein, c'est joli. C'est ravissant. Ça veut dire qu'il y a un type qui, derrière, commercialise ça et qui, logiquement... Parce que tout le monde va faire www.france2.fr, il va logiquement gagner sa vie et faire une fortune avec ça. Et le boîtier, là. Alors, le troisième truc, ça, c'est pas mal aussi. C'est un haut-parleur, vous savez ce que c'est? C'est un gros noyau, comme ça, avec un électroaimant dedans. Et en général, on met un cône en carton qui va faire vibrer le son, et c'est la vibration du son qui fait que... Et bien là, c'est le haut-parleur, sauf qu'on a enlevé le carton au-dessus. Et du coup, ça, je peux le mettre n'importe où. Je débranche ça, je le foutis là, hop, voilà. Là, je le mets sur cette table, par exemple. Et d'un seul coup, ça fait du son. On n'entend pratiquement rien. Ça,
Je vous raconte le système. Vous connaissez ces petites boîtes à musique? C'est-à-dire qu'il faut y poser sur quelque chose. On se sert de la table, de la vitrine, du dur, de la porte, comme une caisse de résonance. Ça, pour les femmes enceintes, tu vois, tu mets sur le ventre et le bébé... Oui, alors, regarde, vous connaissez les petites boîtes à musique? Là, vous n'entendez pas bien. Il suffit que je mette la petite boîte à musique sur la table. Donc ça existe depuis longtemps, en gros? Ce système-là existe depuis très longtemps. Ça marchait que pour... Là, on n'entend rien. Là, on entend. Tout le monde connaît ça, vous le mettez sur un truc, une surface un peu lourde, un peu solide, c'est la même chose pour ça. Bon, là, on n'entend pas grand-chose. On entend. Là, ça devient caisse de résonance. Non, mais il tourne le bouton quand il le pose. Monsieur Copperfield. Mais dites-moi, Benali, si vous le mettez dans le dos de Berléand, est-ce qu'il va se mettre à chanter la chanson de... Non, parce qu'il n'est pas assez, il est pas assez massif. Comment il est pas assez? Il est trop souple. Il est magnifique. Il est trop souple. Il est trop souple. Il est trop souple. Sur les trois trucs, il y en avait au moins deux de bien. Ah. Ouais. Vous êtes en progrès, Jérôme. Le truc qui joue. Vous êtes en progrès, Jérôme Bonaldi. Merci, chef. Merci. Au revoir. Le fils de l'homme invisible. C'est un livre signé François à Berléand. Il y raconte son enfance et ses problèmes d'enfance, surtout. C'est chez Stock Édition. Restez encore quelques minutes avec nous, le temps de jouer au qui a vu qui a vu quoi. C'est Stevie qui est toujours en tête, bien placé Elsa Fayer, qui vraiment ce soir peut faire une fulgurante progression dans le classement si elle trouve les réponses aux questions liées aux photos. En bas du classement, on retrouvera Christophe Alévèque, Virginie de Clausade, Philippe... Enfin, les plus mauvais sont là. Première photo. Moi, j'attends la question à 100 000. De qui s'agit-il? Ça vaut, allez, 5 000 points. 5 000. Oula. Est-ce qu'il est français? C'est le député russe qui a sauté à Nice. Dans sa Ferrari. 2000 points pour Philippe Gueluc. 5000, vous aviez dit. 5000, allez, 5000. 5000. 5000, à vous les abonnés. Samedi après-midi, vers 15h30, sur la promenade des Anglais, effectivement, dans sa Ferrari noire, il a brûlé. Et vous savez, l'enquête avance. Vous savez, il écoutait la radio, on sait ce qui passait à ce moment-là. C'était boum, quand votre cœur fait boum. C'est nul, Gueluc. Non, je vous jure. Photo suivante. Allez, 5000 points. C'est le type de Prison Break. C'est, pardon, c'est pas l'acteur de Prison non. Break. Non, c'est l'oncle de Franck Dubosc. Non. Non. Bon, il est français? Non. Anglais? Non. Ça vaut combien de points? 10 000 maintenant. Américain? Non. C'est un soldat? Non. Il fait du cinéma? C'est l'espion russe. L'espion russe qui a été empoisonné. Non. On ne souffle pas dans le public. C'est le type qui a empoisonné l'espion russe. Non. Non. C'est l'un des supporters du PSG. Non, mais on se rapproche déjà. Ah bon? C'est le flic qui a mal. Aucun rapport avec le PSG, mais il s'agit de football. C'est un hooligan qui va être élu ballon d'or aujourd'hui. Canavaro. Canavaro, excellente réponse de Christophe Alévèque, soutenu par François Berléand. 10 000 points pour Christophe. Merci Annie. Photo suivante. Ah, je sais. Alors, c'est... il embrasse... Je sais, c'est Harry Potter. Ouais. C'est Harry Potter et c'est le premier baiser d'Harry Potter et c'est une Asiatique qui l'embrasse dans le dernier Harry Potter. C'est l'acteur qui interprète le rôle d'Harry Potter au cinéma et qui embrasse sa copine. Et ben, c'est ça. C'est pas Harry Potter, c'est l'acteur qui joue. Non, c'est dans le film qu'il l'embrasse. Non, c'est dans le film, elle a raison. Elle a tout de suite trouvé un point pour Elsa Fayer. C'est pas grave, je suis fière quand même. Allez, j'en ai encore une. De quoi s'agit-il? Le bal des débutantes. Non. Non. Merde. Non. C'est une pièce de théâtre? Le congrès, du Parti Socialiste, le soir des élections. Ça vaut aller, 2000 points. C'est Nicolas Sarkozy qui cherche son costume pour annoncer sa candidature. Non. C'est Madame de Fontenay au milieu, là? Non. C'est qui? Ça devrait vous aider, tous ces chapeaux, hein? La Sainte-Catherine, 2000 points. Pour Jean-Bernard Aimé, les Catherinettes. Un point. Ça existe encore, hein. Bien sûr. C'était samedi, en fait. Oui. Tous ceux qui sont célibataires au-delà de 25 ans coiffent Sainte-Catherine. On a cru que c'était une surboom dans la famille d'Amélie Nothomb. En fait, c'est non seulement célibataire, mais a priori vierge. Ah, vierge. Ah oui, c'est pour ça que c'est de plus en plus rare. Mais, à l'origine, c'était ça. Ça a changé. Enfin, je dis ça. Il n'y en a pas beaucoup dans cette équipe, en tout cas. François Berléand, le fils de l'homme invisible, merci d'être venu nous parler de votre livre dans cette émission. C'est chez Stock, c'est le premier livre, sûrement pas le dernier, de François Berléand. Merci à vous. Merci. À demain.